me explain something to you. I wrote about a couple hundred songs, you know? You know, I've got them all written down and all that, man. All right, I'll give you an example, man. I'll try to stick to a song that that'll make you some money. let's see. Le mythe Charles Manson, c'est d'abord et avant tout des meurtres particulièrement violents. Mais ces actes abominables n'étaient pas du tout son but premier. La véritable histoire de Manson, c'est la musique. Charlie n'aurait pas été Charlie sans la musique. C'était un poète et il croyait vraiment en sa musique. La musique devait servir à diffuser sa philosophie. D'après moi, c'était là sa principale intention. En 1968, Charles Manson, auteur, compositeur et gourou, est un musicien très en vue à Los Angeles. À peine un an plus tard, il est considéré comme l'homme le plus dangereux au monde. Beaucoup de gens ignorent à quel point Charles avait ses entrées dans le milieu musical. Terry Melcher a produit avec succès des artistes tels que les Byrds ou Brian Wilson et les Beach Boys. Charles Manson se voyait bien être le prochain sur la liste. Tout ça n'aurait jamais pu se produire à un autre moment. Le contexte était parfait. Quand un homme comme Manson entrait en scène, il n'y avait plus aucune limite, plus aucune règle. Ce film raconte le rêve de musique qui a animé Manson et comment il s'est effondré. L'histoire de Charles Manson est l'histoire du rejet et de l'échec. C'est l'anéantissement de ses rêves qui a fait naître la folie en lui. Los Angeles. Le 9 août 1969, au crépuscule de l'une des décennies les plus mouvementées de l'histoire des États-Unis, les habitants de la métropole se réveillent en apprenant que plusieurs meurtres très violents ont été commis au cœur d'Hollywood. In a crime scene that police say resembled a ritualistic mass murder, five persons, including the actress Sharon Tate, were found slain at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who was 8 months pregnant, and the other victims were discovered dead this morning at the Hilltop Estate in Benedict Canyon. Most had suffered multiple stab wounds, while one had been shot at close range. Les assassinats ne sont qu'une regrettable formalité à Los Angeles. On est en Californie, aux États-Unis, et les meurtres par arme à feu ou à l'arme blanche sont courants. Mais ça, c'est d'une toute autre catégorie. Une atrocité de première classe. Il s'agit quand même du massacre d'une femme enceinte de 8 mois et demi. Et toutes les victimes ont été assassinées dans un déferlement de violence absolue. C'est bien autre chose, et c'est totalement révoltant. Parmi les victimes se trouve une star d'Hollywood, épouse d'un célèbre réalisateur. L'affaire fait naturellement les gros titres de la presse du monde entier. Le lendemain, deux autres corps sont découverts à 30 km de là, également victimes d'une intrusion violente dans leur domicile. Cette deuxième agression amplifie l'onde de choc qui secoue la population locale. Dès le départ, on a évoqué la sauvagerie des actes commis. Certains détails sont sortis dans la presse, et en l'espace de quelques jours, il est devenu impossible d'acheter une arme à Los Angeles. Les armureries étaient en rupture de stock. Un chien de garde se vendait $100 avant les meurtres. Désormais, il fallait débourser jusqu'à $2000 pour en acheter un. La police va mettre plusieurs mois à arrêter les coupables. À l'annonce de leur arrestation, le monde est sous le choc. Charles Manson, à la tête d'une communauté hippie, ainsi qu'un certain nombre de ses disciples naïfs, principalement des femmes, sont inculpés pour des meurtres qui comptent parmi les plus violents de l'histoire américaine. À peine 2 ans auparavant, la Californie a été l'épicentre du Summer of Love, où la contre-culture battait son plein et célébrait la paix et la bonne entente. Mais les conservateurs américains traditionnalistes ont toujours considéré cette jeune génération avec le plus grand scepticisme. Et plus le mouvement se radicalise, plus ils les considèrent comme une menace potentielle. Avec Manson et sa bande de hippies meurtriers, la menace est désormais bien concrète.
L'Américain moyen qui s'intéressait à l'affaire Manson ne se sentait en aucun cas proche de Sharon Tate ou des autres familles d'Hollywood. Ce qui le préoccupait, c'était la nature complètement incontrôlable de cette jeunesse, qui s'était déjà manifestée lors de contestations étudiantes, des émeutes à Chicago ou toute autre forme de protestation. Pour la soi-disant majorité silencieuse, ces gamins n'étaient que des sales gosses gâtés, qui ne cherchaient qu'à provoquer, à se droguer et à coucher avec tout le monde. En généralisant et en forçant le trait, on obtient les meurtriers de la famille Manson. Mais l'enquête est un véritable casse-tête et le mobile des meurtres reste obscur. La presse ne tarde pas à publier des articles à propos d'orgies ou de rites sataniques, tandis que le procureur général et la police passent au crible les témoignages de personnes impliquées. Une histoire complexe se fait jour. Manson n'est pas uniquement un gourou solitaire, tout comme il n'est pas le criminel de sang-froid que laisse supposer son profil. Il est également un auteur-compositeur qui a des relations avec les stars de la scène musicale de Los Angeles. Début décembre 1969, on voit les premiers articles dans les journaux de Los Angeles évoquer une vengeance de Manson à l'encontre de Terry Melcher, voire une tentative d'assassinat comme mobile au meurtre. Melcher est le fils de l'actrice Doris Day. Pour les jeunes Américains, il est un producteur de musique connu qui a travaillé avec les Byrds et Paul Revere and the Raiders. Pour l'Amérique profonde, il est l'enfant de la petite fiancée du pays. L'enquête se poursuit et petit à petit, plusieurs noms sortent dans la presse, les uns après les autres. Terry Melcher, évidemment, Greg Jacobson, un compositeur, ainsi que d'autres noms, Dennis Wilson, Neil Young, John Phillips ou Buffy St. Mary. Très vite, il est devenu évident que la musique était une composante essentielle de cette affaire. Le voyage musical de Manson débute ici, à San Francisco, en 1967. Une ville au cœur d'une révolution culturelle. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la cité attire ceux qui cherchent à s'échapper du carcan conservateur de l'Amérique profonde et à explorer des modes de vie alternatifs. La ville californienne est dans un premier temps le territoire des écrivains de la Beat Generation. Mais c'est à partir du milieu des années 60 qu'elle se transforme en un véritable centre de créativité avec une jeunesse nourrie de musique, de drogue et d'idées nouvelles. Le point névralgique de cette effervescence culturelle et artistique est le quartier de Haight-Ashbury. Le quartier Haight-Ashbury s'est développé en 1967 un peu par hasard. Les beatniks s'étaient établis dans le quartier de North Beach. Mais les logements étant meilleur marché dans Haight-Ashbury, les étudiants de l'Université d'État de San Francisco préfèrent y emménager. Puis arrivent les artistes qui créent une communauté créative et pleine de vitalité. Les musiciens y occupent une place importante. Grateful Dead vit au numéro 710 d'Ashbury. Janis Joplin habite là aussi. Jefferson Airplane est le premier groupe du quartier à avoir du succès. Tant de personnes créatives au même endroit se stimulent mutuellement. Ils partagent la même vision, la lutte pour la liberté individuelle, artistique et sexuelle. C'était dans l'air du temps. Il fallait accéder à davantage de liberté dans tous les domaines. En ce milieu des années 1960, la lutte pour plus de liberté n'est pas l'apanage de San Francisco. Mais elle est le moteur d'une vision nouvelle. Depuis l'émergence des Beatles au début de la décennie, une culture jeune dynamique s'est déjà épanouie dans d'autres villes d'Europe et d'Amérique. Mais aucun autre endroit n'a eu accès à la drogue de prédilection de Haight-Ashbury, le LSD. Ce puissant hallucinogène est au cœur même de l'aventure San Francisco et façonne la musique, l'art et les idées qui émergent de la ville. Si d'autres drogues influent sur l'humeur, c'est la perception de la réalité qui se trouve considérablement modifiée chez le consommateur de LSD. Un seul trip peut parfois suffire à certains pour ressentir un éveil spirituel. On ne saurait trop insister sur le pouvoir du LSD. Certains ont accédé à des états jamais atteints auparavant. Et il a transformé leur vie du jour au lendemain. Tout le monde était à la recherche d'une illumination.
Et le LSD était un raccourci pour y parvenir. Il vous ouvrait l'esprit et vous permettait ou vous donnait l'impression d'entrevoir un autre mode de vie. Mais cela nous rendait aussi tous très vulnérables face à ceux qui voulaient profiter de nous. Tandis que la contre-culture de San Francisco commence à avoir une renommée nationale et internationale au début de l'année 1967, le psychologue Timothy Leary va se faire remarquer par sa promotion du LSD en louant publiquement ses bienfaits thérapeutiques et spirituels. On parlait beaucoup d'expansion de la conscience. On atteignait parfois une dimension spirituelle très élevée quand les gens parlaient du LSD et de ses utilisations. Leary était la grande figure de cette aventure. Timothy Leary est un professeur de Harvard devenu l'apôtre du LSD. Son parcours a donné une sorte de légitimité à ses idées sur cette drogue et sur le nouveau monde et l'utopie qu'elle révélait. Le message est très simple. Six words. Turn on. Tune in. Drop out. C'est devenu son slogan. Défoncez-vous avec de la marijuana ou du LSD. Soyez à l'écoute, connectez-vous aux images, aux idées, aux visions que ces drogues produisent. Et puis, laissez tomber la société. On avait l'impression que l'utopie était à portée de main. Le principe était que ce paradis pouvait être atteint et que le LSD était la voie qui y menait. Mais « laisser tomber » était un message controversé. Plus tard, il est revenu sur sa position. Il ne parlait pas d'abandonner l'école, par exemple. Il voulait dire « il faut réfléchir à mettre son énergie au bon endroit ». Mais le pavé avait été jeté dans la mare et personne ne pouvait plus rien contrôler. Surtout pas Timothy Leary. Et à l'été 1967, lors du fameux Summer of Love, de jeunes désenchantés venus des quatre coins de l'Amérique décident de tout laisser tomber et arrivent en masse à San Francisco à la recherche de l'utopie promise par Timothy Leary. Une chose qu'on oublie, c'est que Haight-Ashbury était un quartier où la population était extrêmement dense. Cette communauté aurait peut-être pu subvenir aux besoins d'un millier de personnes. Mais de 1967 à 1969, on estime qu'environ 300 jeunes débarquaient là chaque jour. Ils arrivaient avec nulle part où aller et sans un sou en poche, mais avec la conviction qu'on s'occuperait d'eux une fois sur place. Cette situation a donné le champ libre aux prédateurs. On a vu alors arriver de tout le pays des arnaqueurs, des trafiquants de drogue, des proxénètes. Et surtout, attirés par ce merveilleux terrain de chasse, Charles Manson. À son arrivée dans le quartier de Haight-Ashbury, au printemps 1967, Charles Manson a 32 ans. Et il a tout autant envie de prendre part à l'utopie du moment que les jeunes qui l'entourent. Tout juste sorti de prison après 7 ans de détention, Manson cherche, tout comme bon nombre de personnes qui affluent à San Francisco, à échapper à un passé trouble et à prendre un nouveau départ dans ce meilleur des mondes. Né à Cincinnati, dans l'Ohio, le jeune Charlie n'a jamais connu son père. Sa mère est une adolescente célibataire nommée Kathleen Maddox, en rébellion avec sa famille très croyante. À l'âge de 4 ans seulement, Charlie la voit se faire embarquer par la police pour vol à main armée. Elle sera condamnée à 5 ans de prison. Manson était un gamin que tout le monde se refilait. Il a été confié à des amis, à la famille, à tous ceux qui voulaient bien l'accueillir. Il a ensuite été envoyé chez ses grands-parents, puis chez sa tante et son oncle. En gros, il circulait de foyer en foyer, et il a très vite compris qu'on ne voulait pas de lui. Il vivait avec sa tante, son oncle et son cousin. Sa grand-mère venait lui rendre visite. On ne peut pas dire que les premières années de la vie de Charlie aient été parfaites, en particulier avec une mère en prison, mais il a toujours eu des gens aimants qui s'occupaient de lui. Le problème, bien sûr, c'est que Charlie était dès le début un enfant très désagréable et très violent. Agressif et renfrogné, le jeune Charles Manson trouve toutefois au domicile de sa tante et de son oncle en Virginie-Occidentale
de quoi canaliser son trop-plein d'énergie. Il y avait un piano dans la maison de son oncle et de sa tante. N'oubliez pas que Manson était tout petit. À 5 ans, on lui en donnait 3, et ses mains étaient minuscules. Mais il ne quittait pas le piano et jouait à l'oreille. Là-bas, il entendait deux types de musique, la musique religieuse et la country. Il était très doué. Il détestait aller à l'église, sauf pour chanter. Et quand il le faisait, il y mettait tellement de cœur que sa grand-mère avait l'impression que l'Esprit du Seigneur était descendu sur cet enfant. Son talent naturel pour la musique ne suffit toutefois pas à freiner sa tendance à commettre des délits. Durant son adolescence, Manson se fait arrêter d'innombrables fois pour vol, avec ou sans effraction. Il est un pensionnaire régulier de diverses maisons de redressement où il peut parfaire sa formation de délinquant. Vers 20 ans, il décide de devenir proxénète. Manson était un délinquant sans envergure, toujours mal préparé et donc constamment arrêté, comme son casier l'indique. Charles Manson a tout du délinquant raté. Il commence par le vol à l'étalage, il se fait toujours pincer. Il vole des voitures, on le retrouve à chaque fois. Enfin, après avoir appris le métier auprès d'autres proxénètes lors de son premier séjour en prison, il décide de s'occuper d'un groupe de filles, mais il ne les garde pas très longtemps. La constante dans ses débuts de délinquant, c'est sa capacité extraordinaire à repérer les personnes faciles à manipuler. Manson expliquera plus tard que sa philosophie pour attirer d'abord ses prostituées et plus tard ses adeptes est de toujours trouver celle qui était un peu tordue ou fêlée, mais jamais complètement détraquée. Manson tente brièvement de s'assagir au milieu des années 50 en retournant en Virginie occidentale pour épouser une serveuse du coin. Mais les instincts criminels sont désormais enracinés en lui. À la fin de la décennie, il est à nouveau arrêté au Nouveau-Mexique pour avoir voulu s'établir comme proxénète. Cette fois, il est incarcéré au pénitencier de l'île McNeil pour une peine de 10 ans. Toute tentative d'évasion y est impossible. Manson apprend alors à jouer de la guitare, et sa passion pour la musique lui revient. Au début, ce n'est qu'un passe-temps. Et puis, en 1964, il entend une chanson à la radio qui va complètement changer sa perspective. La musique des Beatles était extraordinaire, dynamique et vivante. Elle a tout balayé sur son passage. Même ceux qui ne l'aimaient pas étaient touchés par le groupe. On ne mesurera jamais assez l'impact qu'ont eu les Beatles sur les musiciens en devenir, y compris Charles Manson. Tous ceux de cette génération parlent des Beatles et de l'effet qu'ils ont provoqué dans les mêmes termes. C'était énorme, immédiat et tout sauf éphémère. Quand il entend cette musique, c'est un moment qui change tout pour lui. Les Beatles n'ont pas fait qu'élargir l'horizon musical de Charles Manson. Ils lui donnent une nouvelle ambition. Tout ce qu'il voulait auparavant, c'était d'être un proxénète qui gagne bien sa vie grâce à ses femmes, sans avoir à travailler dur lui-même. Mais maintenant, il a une guitare. Il sait en jouer. Il a l'inspiration. Il commence à écrire des chansons en prison. Terminal Island, Los Angeles. C'est ici que Manson est transféré en 1966 pour achever sa peine de prison réduite à 10 ans pour bonne conduite. Dans cette prison basse sécurité, Manson rencontre Phil Kaufman, un acteur qui purge une courte peine pour possession de drogue. Il y avait la promenade dans la cour tous les jours, entre deux travaux et après le dîner et le petit déjeuner. On y faisait les 100 pas. Et je vois un type jouer de la guitare en chantant « The Shadow of Your Smile ». Je me suis dit, celui-là, il est cool. The shadow of your smile. Je me suis approché de lui pour faire connaissance. Il a continué à jouer pendant notre conversation. Et un gardien est venu lui ordonner d'arrêter. « Manson, tu peux pas jouer ici. On joue de la musique dans la zone réservée à la musique.
Ça ne l'a pas arrêté pour autant. Alors le maton a gueulé, « Tu ne sortiras jamais d'ici, Manson. » Charlie a répondu, « Sortir d'où, mon pote ?» Et il a continué de chanter. Charlie était cool. Il jouait de la guitare et chantait des standards que j'aimais bien. The Shadow of Your Smile, mais plein d'autres encore. C'était un bon chanteur. On aurait dit Frankie Lane, une grande vedette des années 40. Et Charlie et moi, on était de cette époque. On était plus âgés que les autres. Nos références, c'était Frank Sinatra, Perry Como, ce genre de crooner. En mars 1967, Manson est sur le point d'être libéré. Connaissant ses ambitions musicales, Phil Kaufman donne les coordonnées d'une relation précieuse qu'il a dans le show business. Quand Charlie allait sortir, je lui ai suggéré de rencontrer un ami à moi qui travaillait dans le milieu de la musique, Gary Stromberg. Je trouvais qu'il était bon. Je précise que c'est du Charlie en prison dont je parle. Donc, je présente cet individu à des gens respectables de l'industrie de la musique. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Quand il est sorti, il s'est dit, c'est parti. En prison depuis la fin des années 50, à sa libération, Manson se retrouve dans un paysage qui lui est totalement étranger. L'Amérique qu'il connaît a été métamorphosée par la révolution culturelle provoquée par l'arrivée des Beatles. Avec l'assassinat de Kennedy, le début de la guerre du Vietnam et la conscription, qui voit des milliers de jeunes hommes embarqués dans un conflit auquel ils ne croient pas, le fossé qui s'était creusé entre les générations dans les années 1950 est désormais un abîme. La contre-culture qui se répand à travers le pays considère les aînés et les autorités avec une profonde méfiance et cherche à refaçonner le fameux American Way of Life. Les gens se sont rendus compte que notre nation était en faillite sur le plan spirituel. On s'était fourvoyé. Et les principes moraux de notre Constitution et des pères fondateurs semblaient oubliés. C'était une période d'opposition profonde dans le pays, à cause de la guerre du Vietnam, des avancées sur les droits à la sexualité, d'une plus grande sensibilisation à la discrimination raciale et du mouvement des droits civiques. Le pays était divisé, mais pour moi, ce n'était pas forcément négatif. Nous découvrions de nouvelles choses. On vivait tous une phase d'exploration en toute innocence. Et Charles Manson, âgé de 32 ans, a bien l'intention de profiter de cette innocence. Il se rend d'abord à Berkeley, puis à San Francisco. La ville lui permet de retrouver sa jeunesse perdue en prison et il adopte cette nouvelle culture et son pouvoir libérateur. À Haight-Ashbury, le premier geste de Manson est de se mettre à l'écart pour discerner les meneurs de cette scène. Pendant plusieurs semaines, il écoute les groupes locaux, observe les différents prédicateurs et militants dans le parc du Golden Gate et prend du LSD pour la première fois. Puis, il descend dans la rue, la guitare à la main, à la recherche de ses propres disciples. San Francisco grouillait de gourous, de philosophes, de prédicateurs, de sectes, de religions, tout ce que l'on peut imaginer. Manson avait sa propre philosophie. On l'appelait le jardinier, parce qu'il semait des graines dans l'esprit des gens. Il avait une formule bien à lui. Il était très rusé et charismatique, un showman hors pair et un excellent prédicateur. Son numéro sur l'intelligence cosmique était très bon, même si je décrochais au bout de deux ou trois phrases tellement c'était fumeux. La philosophie de Manson, qui proclame que la morale est un mensonge, que rien n'est corrompu, mis à part les possessions, l'ego et la famille, est un amalgame de concepts tirés de la Bible, de la scientologie et de gourous de l'acide qui l'entourent. Mais elle lui permet d'attirer un petit groupe de jeunes femmes. Mary Brunner, Lynette Fromm, Patricia Krenwinkle et Susan Atkins sont toutes séduites par le charisme de Manson, par sa musique et par l'intimité qu'il leur promet. Ce petit harem de disciples allait devenir la garde rapprochée de Manson par la suite. Il a toujours en poche le numéro de téléphone de Gary Stromberg, que lui a donné Phil Kaufman. Il fait l'acquisition d'un autobus scolaire en novembre 1967 et met le cap au sud vers la Cité des Anges. Son rêve de faire de la musique est plus ardent que jamais. À ce moment-là, en Californie, tout le monde devait aller à Los Angeles et se salir les mains, comme le disait Frank Zappa. Même les grands groupes de San Francisco qui se considéraient d'un niveau supérieur.
C'est là que se trouvaient les labels et les personnes qui pouvaient vous proposer un contrat. Manson est parti à Los Angeles dans le seul but de devenir une rockstar. En 1967, Los Angeles est une ville tentaculaire qui puise son énergie dans une immense industrie du divertissement. Elle est bien la Babylone du cinéma depuis des années, mais son essor en tant que capitale de la musique est un phénomène relativement récent. Au début de la décennie, le secteur de la musique était principalement concentré à New York. Pourtant, en 1961, un nouveau groupe va contribuer à établir Los Angeles comme ville musicale. Porté par l'engouement pour le surf, qui produit sa propre culture de la jeunesse et un son rock instrumental, les Beach Boys sortent une série de tubes qui va attirer l'attention nationale. Mené par le talentueux compositeur et chanteur Brian Wilson, qui est épaulé par ses frères et cousins, le groupe, au son unique, est propulsé au sommet du monde de la musique et vaut instantanément à la Californie une renommée culturelle. Les Beach Boys et tout ce qui accompagne le phénomène de la surf music de la côte ouest, les vagues et le bronzage, les filles en bikini et les go-go danseuses, tout ça fascinait les jeunes du Midwest. Allons vivre en Californie un été sans fin. Même les habitants des villes froides de la côte est la considéraient comme un moyen d'évasion. Les gens ont commencé à se rendre en Californie au début des années 1960. Les Beach Boys ont créé un mythe national. Leur thématique soleil et surf à la californienne plaisait à tous, que ce soit en Amérique ou dans le reste du monde. C'était comme un prospectus pour un style de vie qui tentait beaucoup de gens. C'était de la musique légère. La surf music existait déjà, mais elle était surtout instrumentale, ou alors les chanteurs étaient médiocres. Et d'un coup, Brian Wilson a associé l'énergie du rock de Chuck Berry à de splendides harmonies. Des harmonies quasiment jazz. C'était totalement inédit. Et les Beach Boys n'apportent pas uniquement les charmes de la Californie aux adolescents américains. En 1964, les maisons de disques commencent à s'installer à Los Angeles. Et suite à l'impact provoqué par les Beatles et la British Invasion, les émissions de télévision musicale deviennent très populaires et sont tournées dans les studios d'Hollywood. L'industrie est en plein boom. Les producteurs et les découvreurs de talents partent à la recherche de groupes locaux pour les propulser sous les feux de la rampe. C'est là qu'arrivent les Byrds. Les Byrds ont révolutionné la scène musicale de la côte ouest du jour au lendemain. L'installation des labels à Los Angeles en 1964 avait été une première étape. Mais les Byrds ont fixé les bases de la musique à venir. Ils ont pris le rythme et les harmonies des Beatles pour les mélanger aux textes profonds de Bob Dylan. Un changement s'est opéré à Los Angeles. De toute évidence, les Beach Boys étaient extrêmement importants au début des années 60 et allaient continuer de l'être. Mais ce qu'ils représentaient au moment de l'arrivée des Byrds, à savoir la légèreté, le soleil, le surf, tout ça a pris un coup de vieux. Cette vision d'un monde nouveau qu'apporte la contre-culture, on la retrouve dans la musique des Byrds. Les Byrds ont su fusionner une sensibilité pop avec une thématique beaucoup plus profonde, chose que personne d'autre n'avait accompli avant fin 1964. Dylan naviguait dans ces eaux-là, mais il était toujours considéré comme un artiste folk. Il n'avait pas vraiment atteint les échelons supérieurs de la pop. Il n'apparaissait pas dans la presse musicale pour ados, alors qu'on y trouvait les Byrds.
Les Byrds étaient clairement plus années 60, plus modernes. Ils étaient des pré-hippies en quelque sorte. David Crosby avec sa cape et McGuinn avec ses lunettes de soleil bizarres, ils avaient l'air avant-gardistes. Leur son était cool. Ils étaient parfaitement en phase avec l'époque. Le succès des Byrds fait des émules parmi les groupes de la ville. Que ce soit les Doors, Love ou Frank Zappa and the Mothers of Invention. On trouve de la marijuana bien plus facilement en Californie que sur la côte Est ou qu'en Grande-Bretagne. Et tous ces groupes ont une sensibilité underground et un côté allumé qui les distingue du monde de la pop. Ils s'épanouissent dans le cadre d'une scène florissante, dont l'épicentre se trouve à West Hollywood, sur les quelques 500 mètres du Sunset Strip qui déborde de clubs et de restaurants. Ici, dans des lieux comme le Whiskey a Go-Go, l'ancien ordre hollywoodien est bouleversé et le mouvement hippie est en marche. Sunset Strip, c'était le summum. Il y avait le whisky, bien sûr, et le trip, mais aussi de plus petits clubs tout le long du boulevard. C'était la Mecque où il fallait se rendre. Tu faisais partie de ces gens super branchés qui fumaient de l'herbe ou pas. Mais pour ceux qui n'étaient pas dans le coup, ces personnes étaient comme venues d'une autre planète. Tu ne pouvais même pas leur adresser la parole. Autrefois, sur Sunset Strip, on trouvait le Trocadéro, le Mocambo ou encore le Chiros d'origine. C'était des nightclubs exclusifs fréquentés par les nantis et les stars d'Hollywood. Il existe des clichés de Charlie Chaplin, de Marilyn Monroe et d'autres stars là-bas. Mais ces endroits n'étaient pas ouverts aux gens ordinaires. On ne les voyait qu'en photo dans les magazines de cinéma. Leur clientèle avait désormais vieilli. Et les artistes qui s'y produisaient étaient partis à Las Vegas. Les jeunes ont alors pris les rênes de ces boîtes de nuit. Il n'y avait pas de cloisonnement. Les musiciens faisaient leur truc et le public faisait le sien, mais c'était la même chose. On se défonçait, on voulait tous s'engager sur la voie express qui mène à l'illumination. La communion était totale, aussi bien mentale que physique. On vivait ça ensemble. C'est dans cet univers en vogue que Charles Manson et ses quatre disciples féminines débarquent fin 1967. Manson cherche immédiatement à avoir un rendez-vous avec Gary Stromberg, le contact de Phil Kaufman, découvreur de talent pour Uni Records. Il présente ses meilleures compositions à l'audition. Stromberg est suffisamment impressionné pour réserver une séance d'enregistrement d'une heure au célèbre studio Gold Star, où Phil Spector et Brian Wilson, des Beach Boys, ont enregistré leurs plus grandes œuvres. La première session d'enregistrement de Charles Manson que l'on connaît a été faite pour Uni Records, une filiale de Universal. Chose étonnante, il en existe une bande. Elle n'est pas montée, ce qui est inhabituel. Et elle offre un aperçu brut et assez naïf de 20 chansons étranges d'un musicien de rue, sans aucune orientation, forme ou structure. Hi Charlie baby. Let's see. Do whatever you feel like, man. Yeah. Just groove, you know. Tell us when you're gonna start and we'll turn the machine on. Okay. Well, you know, can't you just turn it on and let it go? Okay, we're gonna let it go right now. Take out what you want and the rest throw it away. Avant tout, j'ai été surpris par la voix de Manson. Il n'avait pas la même quand on lui a parlé un ou deux ans plus tard, en prison. Là, il était plus enjoué. Il n'arrêtait pas de glousser. Et il avait l'air très nerveux. If I can make myself nervous, I should be able to make myself unnervous. It makes sense that it works both ways there. He seems younger than he is. Sa voix fait plus jeune que son âge. À ce moment-là, il a presque 35 ans et on a l'impression qu'il en a à peine 20. Mais il est aussi très nerveux. Si on vous disait que le type avec cette voix-là allait devenir un chef de secte, je ne parle même pas des meurtres, mais simplement qu'il va donner des ordres à des gens qui vont lui obéir au doigt et à l'œil, ça vous semblerait complètement absurde.
Bon, il a quelques bonnes idées pour des chansons, des petites esquisses en tête. Et c'est vrai que certaines d'entre elles ont un réel potentiel, elles pourraient donner quelque chose. Ton foyer, c'est là où tu es heureux. Quelle parole fascinante! Elle ne pouvait que plaire à des jeunes sans cadre ni domicile, en rupture avec leur milieu parce qu'ils étaient conscients que chez eux, ils n'étaient ni heureux ni libres. Du coup, ils pouvaient adhérer à l'utopie de Manson par le biais de cette chanson. Would you mind if I approach you? With this song, may I tell you that I've watched you? How very long that I've watched you from afar. And now right here you are, so close to me. Now I know it isn't proper. There's a Latin influence in his... On sent une influence latine dans ses chansons, et aussi une influence jazz. J'ai été très étonné d'entendre des arrangements aussi doux. Enfin, ils avaient tout pour l'être. Je n'aurais jamais cru que Charlie soit capable d'une telle douceur. La séance ne convainc pas Uni Records. Manson encaisse ce refus sans brancher. Lui et sa famille trouvent un logement provisoire dans une maison appelée Spiral Staircase, l'escalier en colimaçon, à quelques pas de Topanga Beach. Manson et les jeunes filles partagent les lieux avec divers vagabonds, toxicomanes, et autres marginaux, et adopte ainsi une vie communautaire. Tout en travaillant sur sa musique, Manson en profite pour trouver de nouvelles recrues. En décembre 1967, Diane Lake, une collégienne de 14 ans qui a laissé tomber l'école, vient à une fête donnée dans la maison. Elle est une proie facile pour un ancien détenu qui a presque le double de son âge. Charlie est venu vers moi et m'a offert de boire dans son verre. Apparemment, il n'y avait pas plus grand honneur. Il m'a invité à me joindre au cercle et à chanter avec eux. Il jouait de la guitare et toutes les filles qui l'entouraient sont venues pour me serrer dans leurs bras. Là, je me suis vraiment sentie la bienvenue. Plus tard, Charlie m'a prise sous son aile et je suis tombée sous son charme. Il m'a séduite. Il était drôle, un peu espiègle, très enjoué. Quand il secouait la tête, ses boucles se mettaient à danser. Bref, j'étais attirée par lui. Je le trouvais beau gosse. La jeune Diane est tout de suite adoptée par les autres filles de la bande de Manson et se plie rapidement aux rituels hallucinogènes et musicaux du groupe. Elle apprend toutes les paroles des chansons de Charlie et participe à leur divertissement collectif. Je crois bien qu'on prenait de l'acide au moins une fois par semaine. On s'asseyait en cercle et Charlie nous le donnait comme un sacrement. Il le plaçait sur ta langue et faisait le tour du cercle. C'était un moment spécial. La plupart du temps, on faisait des bons trips, principalement axés sur la musique. J'aimais bien sa musique. Pourtant, à l'époque, il y avait beaucoup de chanteurs-guitaristes. Mais en 1968, Charlie commence à se demander si ses chances de percer ne seraient pas plus grandes s'il avait un groupe derrière lui. Depuis la maison Spiral Staircase et le long du Sunset Strip, Manson fait savoir qu'il veut monter un groupe et qu'il est à la recherche de jeunes musiciens talentueux. L'un des premiers à passer une audition est le guitariste Ernest Knapp. Ça a été glauque d'entrée de jeu. On se sentait mal à l'aise en sa présence. Bizarrement, j'ai passé tout seul l'audition pour Charlie et sa famille, sans les autres musiciens. Je me suis installé au milieu du salon, j'ai posé mon ampli et je me suis branché. Trois des filles avaient des instruments de percussion, des shakers, un tambourin et un petit tambour, et elles m'ont accompagné. J'ai bien aimé ça, je dois l'avouer. Un coup de main est toujours le bienvenu. Knapp est convié à faire partie du groupe.
Et la semaine suivante, il revient répéter avec l'ensemble monté à la va-vite par Manson. Après avoir jammé un peu, on a demandé à Charlie ce qu'il avait en stock. Il a alors joué pour nous. Je trouvais qu'il avait du talent et que ses chansons tenaient la route. C'était plutôt un genre d'auteur-compositeur-interprète. Le groupe est baptisé The Milky Way, la Voie lactée. Le lendemain, il donne sa seule et unique représentation en public lors d'une audition pour jouer le samedi soir au bar du coin, le Topanga Choral. On s'est retrouvés à leur maison. On a chargé le matériel et on est allé au Choral, à plusieurs voitures. C'était un bar country qui se trouvait un peu plus haut dans le canyon. On a dû être un des premiers groupes hippies à vouloir jouer là-dedans. C'était dans l'après-midi, le patron et d'autres gaillards étaient là, et ils n'ont pas été très sympas avec nous. Ils ont dit non. L'unique groupe créé par Manson est mort-né. Il se recentre alors sur son travail d'artiste solo. Malgré son échec, le projet l'a mis en contact avec un autre jeune musicien sûr de lui. Bobby Beausoleil se vante de ses accointances avec le groupe Love et de ses jam sessions nocturnes avec Frank Zappa. Au cours des deux prochaines années, il sera présent de manière sporadique dans l'entourage de la famille Manson. Il avait plus de talent que Charlie. Tous ceux qui les ont vus ensemble partagent le même avis. Mais Beausoleil, avec son esprit artiste, a cru déceler une grande créativité chez Manson. Un certain lien s'est créé entre les deux hommes. Ils partageaient la même approche musicale, les mêmes points de vue. Ils étaient assez complémentaires. Mais Bobby Beausoleil était un homme fort. Il était indépendant d'esprit, ce qui ne cadrait pas avec la famille Manson. Il n'en a donc jamais été membre à part entière, même s'ils ont emprunté les mêmes chemins. Mais Beausoleil a de bonnes relations. Comme Manson cherche à quitter la maison Spiral Staircase, Beausoleil suggère à la famille d'aller s'installer à Topanga Canyon, dans une propriété vide sur Horseshoe Drive dans laquelle il avait séjourné. C'est là que Philip Kaufman, ancien camarade de prison de Manson, rejoint la famille en mars 1968 à sa sortie de Terminal Island. Gary Stromberg connaissait une autre relation à moi, Harold True. Et Harold avait été en contact avec Charlie. À ma libération, Harold m'a emmené voir Charlie. Je l'ai revu. Et il n'avait plus rien à voir avec le type qui chantait « The Shadow of Your Smile » dans la cour de la prison. Kaufman est fasciné par le harem de Manson, mais il est tout autant impressionné par la transformation de sa musique. Les nouveaux textes de Manson sont clairement écrits dans le but d'attirer plus d'adeptes. Manson avait un message à faire passer, un peu comme le joueur de flûte de Hamelin. Il était passé de Frankie Lane à une musique sous acide. C'était son outil, parce qu'il était entouré de personnes plus jeunes que lui. Et c'est ce genre de musique qui leur plaisait. Il a donné un côté folk à ses paroles parce qu'il n'avait pas de groupe. La chanson « Look at your game, girl » est un bon exemple. There's a time for living. The time keeps on flying. Think you're loving. Look at your game, girl est certainement la chanson la plus complexe qu'ait écrite Manson à l'époque. Avec la superposition des harmonies avec sa guitare et ses changements de tempo. Sa voix y est remarquable. C'est difficile à dire, étant donné ce qu'on sait sur Manson, mais c'est un très beau morceau. Ah, those feelings real. Look at your game, girl. Look at your game, girl. On aurait dit un des marcheurs. Il avait quelque chose à vendre. Et les filles, toutes ces jeunes paumées, l'ont acheté. Il a joué la carte hippie, Peace and Love et tout le toutim, et s'en est servi comme d'un appât. L'atmosphère à Topanga n'a pourtant rien de lugubre. La paix et l'amour y règnent. Et la famille se met à appliquer la conception de Manson d'une vie communautaire libérée de toute préoccupation matérielle. De nouveaux membres arrivent, et il leur apprend à vivre simplement, comme en récupérant de la nourriture dans les bennes à ordures. C'est une période heureuse, et ses activités communautaires sont même mentionnées dans ses chansons. Tu n'es pas pauvre, et tu n'auras jamais faim tant que tu as une benne à ordures.
prenez un morceau de fromage qui est périmé aujourd'hui. On ne peut pas le vendre le lendemain. Alors on le jette. Mais il est très bon, ce fromage. Tu peux le ramener à la maison et le mettre au frigo. Et c'est ce que faisait Manson, ou même moi. Au début, c'est vraiment dégoûtant. Les bennes à ordures, ça pue, c'est sale. On ne les lave pas très souvent. Bon, il y avait beaucoup de cartons là-dedans, mais aussi de la nourriture. On apprend vite à savoir à quelle heure ils jettent les aliments. Certains produits sortaient directement du frigo. On mangeait les poubelles de l'Amérique, en somme. When you're living on the road and you think sometimes you're starving, get on off that trip, my friend. Just get in them cans and start carving. Oh, garbage dump, my garbage dump. Why are you called my garbage dump? C'est cette image-là que Charles Manson aurait voulu donner au monde. Et non l'image d'un monstre qui ordonne à des robots sans cervelle d'aller tuer. Il voulait apparaître comme un être merveilleux, qui vivait de presque rien, et qui allait être plus riche que tous ceux qui le regardaient avec condescendance. L'atmosphère au sein du groupe a beau être paisible, Phil Kaufman ne supporte plus le prêchi-prêcha permanent de Manson. J'ai mûri, c'est tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que j'ai compris que si je restais, c'était la prison qui m'attendait. Il était temps de sortir de là et de me séparer de lui. Le jour où je suis parti, un de mes amis est venu me chercher. J'ai dit, je vais y aller, Charlie. Il m'a répondu, je sais. Tu réfléchis encore, pas vrai? J'ai dit, oui, et je vais continuer. Les sermons et les activités communautaires peuvent aider à passer le temps. Mais Manson a envie de rencontrer des personnes du monde de la musique. Il tente de côtoyer les rockers qui vivent à Topanga Canyon et ses alentours. Dans le même temps, il envoie ses disciples sur Sunset Strip pour qu'elles attirent l'attention de n'importe quel musicien et lui présenter ensuite Manson. En mai 68, deux défis décrochent le gros lot. Joe Bailey, surnommé Yeller, la gueularde, et Pat Krenwinkle faisaient du stop à Hollywood. Une voiture s'arrête pour les prendre. Un jeune homme, plutôt beau gosse, leur dit « Eh, vous voulez que je vous dépose, les filles ?» Et il leur propose de passer chez lui pour tremper des biscuits. Elles pensent comprendre ce qu'il sous-entend. Mais quand elles arrivent chez lui, une demeure splendide, devant un magnifique soleil couchant, il leur donne réellement des biscuits à tremper. Au bout d'un moment, il leur dit qu'il est en pleine session d'enregistrement et qu'il doit y retourner. Il espère les revoir un jour. Son groupe s'appelle les Beach Boys. Les deux filles rentrent sagement. Et Charlie leur demande, « Alors, vous avez rencontré quelqu'un ?»« Oui, un type nous a ramassés et nous a ramenés chez lui. » Et il est dans quel groupe ?« Les Beach Boys. » Charlie en tombe de sa chaise. Où habite ce type ? Le Beach Boy que les filles ont rencontré par hasard n'est autre que Dennis Wilson, le batteur du groupe et jeune frère de Brian. Ce soir-là, Manson et toute la famille se rendent à la propriété de Wilson sur Sunset Boulevard. Manson veut faire bonne impression. Dennis Wilson rentre chez lui au milieu de la nuit, roule dans son allée et voit que les lumières sont allumées dans sa maison. Un autobus scolaire est garé là et il y a des gens chez lui. Il sort de sa voiture et avance prudemment. Il est riche alors il se méfie un peu. Et là, il est accueilli par un petit gringalet barbu. Salut mon pote, comment ça va? Comme s'il était l'hôte de ces lieux. La première phrase qui sort de la bouche de Dennis, c'est « Vous allez me faire du mal ?» Alors Charles Manson s'agenouille devant Dennis Wilson et lui baise les pieds. « Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui veut te faire du mal ? Allez quoi, viens !» Et Dennis entre et il découvre la famille Manson installée chez lui. Avec des filles à demi-nues vautrées partout dans sa maison, Dennis Wilson est instantanément enchanté par Manson et ses disciples. Sans le vouloir, ceux-ci sont tombés sur le Beach Boy le plus réceptif à leur charme. Dennis Wilson était très différent des autres membres du groupe.
C'était un sportif, il faisait du surf, et bien évidemment, c'était lui le tombeur. Il était d'une beauté virile, et il savait s'y prendre avec les femmes. Les autres étaient nettement moins attirants, que ce soit Brian, le grand dadais, Carl, le petit gros qui apprenait encore à jouer de la guitare, Al qui aurait pu être dentiste, et Mike qu'on imaginait bien en pompiste. Alors que Dennis Wilson était l'incarnation même des Beach Boys. Dans les premières chansons sur le surf et les voitures, Brian Wilson décrivait la vie de Dennis. La famille Manson ne pouvait pas débarquer dans la vie de Dennis Wilson à un meilleur moment. Les Beach Boys viennent de passer une mauvaise année. Ils ont connu une succession de flops et leur propre génie, Brian, a perdu le contrôle du groupe et souffre de troubles mentaux à cause de sa consommation excessive de LSD. Peu de temps avant l'arrivée de la famille Manson, Dennis était en tournée avec les Beach Boys et le Maharishi Mahesh Yogi. Le célèbre gourou indien est devenu une véritable superstar depuis sa rencontre avec les Beatles. Mais le mélange méditation transcendantale concert rock ne prend pas, comme on pouvait s'y attendre. Ça a été une catastrophe. Les fans des Beach Boys ne voulaient pas entendre le Maharishi. Et ceux venus écouter le gourou se fichaient des Beach Boys. L'idée était intéressante, mais ils ont raté leur coup. 1968 a été une année difficile pour eux. Et la tournée avec le Maharishi a été un fiasco total. Ils ont eu des problèmes lors des concerts dans le sud du pays au moment de l'assassinat de Martin Luther King. Ils ne faisaient que perdre de l'argent, les disques ne se vendaient pas. Ils n'étaient plus en phase avec la culture de l'époque. Ils portaient encore des tenues assorties sur scène. À mon avis, les Beach Boys en 1968, c'était déjà du passé. Sauf que Dennis refuse d'être un homme du passé. Toujours ouvert aux idées nouvelles, il est fasciné par les enseignements du Maharishi et cherche un sens plus profond à sa vie. Les sermons de Manson, qui dénoncent les possessions matérielles et célèbrent l'unité communautaire et spirituelle, le séduisent d'emblée, tout comme la sexualité débridée des filles. Il invite tout ce beau monde dans sa résidence au 14400 Sunset Boulevard. Dennis était un type sympa. Je me souviens qu'il était débridé. Il aimait les voitures rapides et les femmes entreprenantes, si vous voyez ce que je veux dire. Il vivait à 100 à l'heure. Dennis venait de sortir d'une espèce de retraite avec le Maharishi. Et le côté gourou de Charlie lui convenait. Je pense que Dennis était à la recherche de ce genre d'inspiration. Dennis en voulait toujours plus et toujours autre chose. En cela, il avait un côté enfantin. Je pense qu'il trouvait ces gens réellement intéressants. Un des problèmes de Dennis à l'époque, c'était son sentiment de culpabilité devant sa richesse et tous les signes extérieurs qui l'accompagnaient. Il ne pensait pas la mériter. Il avait l'impression d'être devenu riche grâce à son frère. Ce n'était pas parce qu'il avait travaillé dur ou qu'il avait du talent, mais par un simple coup de chance. Dennis Wilson vient à peine d'emménager dans l'immense propriété qu'il loue sur Sunset Boulevard après l'échec de son premier mariage. Manson et son harem ambulant sont désormais ses invités permanents. Dennis contacte son ami et collaborateur, Greg Jacobson, et l'invite à se joindre à eux. La première fois que j'ai entendu parler du sorcier, comme Dennis l'appelait, c'est lors d'un coup de fil de Dennis un soir. Tu dois venir ici, il faut que tu vois ce type. C'est le sorcier, et il a plein de filles. Oui, d'accord, je vois le tableau, mais je te rappelle que je suis marié et que j'ai deux enfants. Il s'est peut-être passé encore une semaine avant que je ne vienne chez Dennis, et là, il s'était vraiment installé chez lui. Je dois reconnaître que quand Charlie était quelque part, tout le monde le savait. Il dégageait une telle énergie qu'on ne pouvait pas l'ignorer. C'était une personne sympathique. Il était vraiment charmant et toujours à l'écoute. Je peux comprendre pourquoi Dennis l'appelait le sorcier. Il avait une capacité unique à vous faire sentir important. Il s'intéressait à vous. Il n'était pas le genre à vous dire « cause toujours ». La vie dans ce domaine était magique. Je me défonçais et je buvais du jus d'orange ou du jus de raisin. J'en garde un souvenir divin.
N'oubliez pas que Dennis avait tout quitté, sa maison, sa famille, sa femme, et à présent, toutes ses filles étaient en adoration devant lui. Elles lui cousaient des vêtements, tout juste si elles ne s'inclinaient pas devant lui. Je suis persuadé qu'à ce moment-là, il était ravi par le tableau. Mais il ne s'agit pas uniquement de sexe, de drogue et d'expansion de la conscience. Wilson est également fasciné par la musique de Manson. Et comme Brian n'occupe plus le rôle de meneur des Beach Boys, les autres membres du groupe ont envie de faire entendre leur propre voix au sein du groupe. Dennis encore plus que les autres. À l'époque, il apprenait à jouer du clavier. Il venait s'exercer le matin, et parfois, Brian lui donnait des conseils. Mais la plupart du temps, il faisait ses propres expériences. Il était différent des autres Beach Boys qui s'y connaissaient en accord, en transition ou ce genre de choses. Mais il était très doué et il apprenait vite. Ce n'est qu'en 1968 que Dennis a commencé à être pris au sérieux, musicalement parlant. De plus, Brian avait permis aux autres de proposer leurs idées. Et Dennis avait un réel talent d'écriture. C'était un débutant, mais il avait quelque chose, c'est certain. Les Beach Boys viennent également de créer leur propre label, Brother Records, dans le but de signer de nouveaux talents qui reflèteraient mieux l'époque. Impressionné par les talents musicaux de Manson, Dennis Wilson espère à la fois apprendre de son nouvel invité, mais aussi collaborer avec lui. C'est certainement la première fois que Dennis s'intéressait à une personne et à sa musique en même temps, un peu comme un producteur avec son artiste. Dennis a compris que sa propre expérience pouvait être utile à Charlie. C'est comme ça qu'il est devenu son mentor musical. Ce qui les liait avant tout, c'était la musique. Dennis aimait beaucoup Charlie. Il le présentait à ses amis et Charlie lui apprenait à jouer de la guitare. On peut parler d'admiration mutuelle, hein, ou même de romance. J'ai le souvenir qu'ils s'appréciaient réellement. Être pris au sérieux par quelqu'un d'aussi célèbre que Dennis a dû conforter Manson dans l'idée qu'il avait du talent. Même si Dennis n'était pas encore un artiste à part entière, il était une superstar. Et d'un coup, Manson travaille avec quelqu'un qui est très connu et qui vient d'une famille très respectée dans le milieu. Dennis Wilson tient également à présenter son nouveau collaborateur dynamique à un autre ami, le producteur de disques Terry Melcher. Il est le fils de Doris Day, ainsi que le compagnon de l'actrice montante, Candice Bergen. Et il occupe une place de premier plan sur la scène musicale de Los Angeles. Melcher représente un maillon essentiel entre le passé et le présent d'Hollywood. Terry Melcher faisait partie du showbiz hollywoodien. Et il a produit les deux premiers albums des Byrds qui ont été extrêmement importants. Il a aussi travaillé avec Paul Revere and the Raiders, qui était à l'époque une grosse machine à tube. Tout le monde savait qui était Terry Melcher. Aussi, obtenir sa bénédiction ou susciter son intérêt représentait un sacré coup de pouce pour tout auteur-compositeur débutant. Dans les mois suivants, Manson se rapproche assez de Melcher pour être invité à la propriété de Beverly Hills que le producteur loue sur Cielo Drive. Melcher et Jacobson sont sans doute ses visiteurs les plus assidus, mais de nombreux musiciens de renom traînent aussi régulièrement chez Dennis Wilson. La maison de Dennis était un lieu de rencontre. Dennis était très large d'esprit et chacun se sentait le bienvenu chez lui. On y venait à toute heure, de jour comme de nuit. De nombreuses personnes y ont forcément rencontré la famille Manson. Stephen Stills, Glenn Campbell, Neil Diamond, Neil Young, qui venait de quitter le groupe Buffalo Springfield, a été époustouflé par le talent musical de Manson. D'après ce qu'on raconte, il lui a offert une moto et il l'aurait même présentée à la Warner, qui n'aurait guère été séduite. La personnalité avenante de Manson charmait les gens. Le problème, c'est que quand on essaie de l'enregistrer, on perd tout.
Il ne reste plus que quelques chansons, somme toute banales. On n'a plus le personnage Manson, on n'a plus Manson et les filles. Ce qui plaisait, c'était tout l'ensemble. Désormais accepté dans le sein des saints de la contre-culture de Los Angeles, Manson devient un habitué de ses fêtes et de ses clubs. Et dans le centre névralgique de ce monde, le Whiskey à Go-Go sur Sunset Strip, il laisse une impression indélébile. Il y a eu un incident au Whiskey. Un soir, on était tous à table, avec Charlie, Dennis et Terry Melcher également. On était là à boire une bière et à passer un bon moment ensemble. Et d'un coup, on a remarqué que ça s'agitait un peu sur la piste de danse. La boîte était pleine à craquer. À l'époque, des filles dansaient dans des cages. Le groupe jouait à fond parce qu'il sentait que l'atmosphère avait changé. J'ai grimpé sur ma chaise pour mieux voir ce qui se passait. J'ai dit aux autres, « Hé, les gars, regardez-moi ça !» Charlie dansait seul au milieu de la piste. Il l'avait complètement vidé. Petit à petit, les gens avaient quitté l'endroit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un chat. Il était comme chargé d'électricité. Personne ne pouvait s'approcher pour danser avec lui. C'était ça, Charlie. Son énergie était explosive. Manson laisse son empreinte dans le milieu. Mais il n'empêche qu'à la fin de l'été, lui et sa famille doivent quitter la maison de Dennis Wilson. En août, les Beach Boys partent pour une longue tournée aux États-Unis et au Canada afin de promouvoir leur dernier album. Wilson en profite pour demander à ses invités de quitter les lieux. Il fallait bien que la fête se termine un jour. Si l'on en croit les témoignages, Dennis a dépensé une véritable fortune pour la famille. 100 000 dollars en nourriture, en médicaments pour la gonorrhée, en vêtements perdus, et j'en passe. Il le saignait à blanc. Dennis m'a annoncé qu'il partait en tournée. Il m'a dit, « Tu peux nous trouver une nouvelle maison ? Je veux récupérer mes affaires. » Charlie n'a pas eu le choix. J'ai fermé la maison quand Dennis est parti. Quand il est revenu quelques semaines plus tard, c'était dans une nouvelle demeure. Ce n'est pas la fin de leur amitié et de leur collaboration musicale pour autant. Manson profite de l'occasion pour installer sa famille, toujours plus nombreuse, dans un endroit plus isolé. Spawn Ranch, à 50 km au nord de la maison de Dennis à Santa Monica, était un lieu de tournage très prisé à la grande époque des westerns des années 1950. Il ne s'y passe désormais plus grand-chose. Le lieu convient donc parfaitement aux besoins de Manson. On reconnaît les chefs de secte à deux ou trois comportements types, et Manson n'échappe pas à la règle. Première étape, trouver des personnes qui se sentent exploitées ou persécutées et les convaincre que vous seuls pouvez les protéger. Deuxième étape, les éloigner de toute influence extérieure, que ce soit à leur famille, leurs amis ou les médias, qui pourrait leur faire comprendre que vous êtes givré. La seule voix qu'ils doivent entendre, c'est la vôtre, et ça n'aurait pas marché dans la maison de Dennis Wilson. Spawn Ranch, en revanche, est à la périphérie de Los Angeles. En termes de kilomètres, ça ne représente pas grand-chose. C'est tellement près de la ville qu'on s'attend à y trouver la même pollution. Mais en réalité, c'est un espace naturel qui pourrait faire office de frontière. C'est la campagne. Ça ne ressemble en rien à une grande ville. Et pourtant, ce n'est qu'à 25 minutes en voiture. Du coup, Charlie peut toujours se rendre à Los Angeles, mais il peut aussi isoler ses disciples. À Spawn Ranch, la famille redevient une communauté et sa renommée grandit dans les environs de Los Angeles. De nouveaux adeptes se rendent dans cette oasis rustique, ainsi que des membres de gangs de motards, les Straight Satans et les Satan's Slaves, et des personnalités du monde de la musique. Au départ, la famille Manson à Spawn Ranch, c'est un peu la petite maison psychédélique dans la prairie. C'était un joyeux retour en arrière. Ils se trouvaient sur un ancien plateau de tournage et se déguisaient en costume d'époque en toute insouciance. Ils avaient tout, l'amour libre, les drogues, la musique, la nourriture d'ébène à ordures et même la visite de célébrités. Dennis Wilson passait souvent, il emmenait les filles faire un tour dans un camion poubelle. On dit même que Jim Morrison serait venu. À chacune de nos visites, Manson mettait tout en place. Dès notre arrivée, tout le monde était sur le qui-vive, éveillé à ce qu'on soit diverti. Je disais à Terry, on devrait filmer tout ça, c'est historique en quelque sorte. On n'a jamais vu un tel spectacle. Il y avait des filles, des chevaux, des cow-boys, des hippies, des motards et un grand ranch de cinéma. Si on avait voulu l'inventer, on n'y serait pas arrivé. Il fallait absolument filmer ça.
Tandis que la famille s'acclimate à la vie rurale, Dennis Wilson annonce que les Beach Boys ont accepté d'enregistrer une des chansons sur laquelle lui et Manson ont travaillé durant l'été. Ce titre, « Cease to Exist », reflète parfaitement la vision spirituelle du gourou. Cease to exist, just come and say you love me. Give up your world, come on, you can't be. C'est bien plus une œuvre de Charlie que de Dennis, parce que Charlie était très branché philosophie orientale. Et Dennis était fasciné par ça, de manière assez floue. Il percevait quelque chose sans savoir exactement quoi. Ça lui plaisait, c'était nouveau pour lui. Les Beach Boys n'écrivaient pas sur ce type de sujet. Ils faisaient encore des chansons de surf, ou Good Vibrations, ce genre de trucs, ce qui était cool en soi. Mais cette chanson marque un grand changement, bien dans l'esprit des années 60. Lorsque le groupe entre en studio au domicile de Brian Wilson pour enregistrer le morceau en septembre 1968, il le remodèle à sa façon. Il lui donne aussi un nouveau titre, Never Learn Not to Love. Steven Desper, l'ingénieur du son attitré du groupe, supervise les sessions. On savait tous que Dennis avait un ami qui s'appelait Charles Manson. Tous les deux, en tant que musiciens, avaient échangé leurs idées, comme on le fait toujours. Ils avaient écrit ensemble. C'était une vraie collaboration entre Charles et Dennis. Peut-être qu'au départ, l'idée de la chanson était venue de Charles, mais il l'avait donnée à Dennis, et il avait été rémunéré pour cela. Les Beach Boys l'ont prise et ils l'ont embellie comme ils savaient le faire. Ils se la sont appropriée. I'm your kind, and I see. Never had a lesson I ever learned, and I know I could never learn not to love you. Dennis, qui maîtrisait bien le travail en studio et les arrangements vocaux, s'est servi de cette base et l'a développée en quelque chose de plus attrayant, de plus pop. Et elle a permis aux Beach Boys de faire évoluer leur son. Come in, now closer. Come in, closer. Je trouve que c'est une très bonne chanson, qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Les harmonies sont tout simplement splendides. Never Learn Not to Love montre bien le potentiel de la collaboration entre Dennis et Manson. Elle marche vraiment bien. C'est aussi une réussite pour les Beach Boys. Un album avec ce genre de titre aurait été une bonne chose pour eux à l'époque. Pourtant, il n'allait pas en être ainsi. L'enregistrement aurait dû donner de nouveaux espoirs à la famille. Mais à Spawn Ranch, l'atmosphère n'est plus la même et la communauté de Manson est en train de se disperser. La situation a commencé à devenir tendue. Beaucoup de gens ont voulu prendre leur distance. On entendait de plus en plus souvent dire que les motards de Satan Slaves traînaient là-bas. Les fleurs du Flower Power se fanaient et laissaient la place aux motos, à l'essence et aux drogues dures. De parfaits inconnus débarquaient de Los Angeles. L'hiver arrivait. C'était un peu comme la fin de la saison. La nuit tombait de plus en plus tôt. Une obscurité qui reflète le pessimisme de la contre-culture en 1968. Le Summer of Love n'est plus qu'un lointain souvenir. La guerre du Vietnam s'intensifie. Et l'assassinat de Martin Luther King, puis celui de Robert Kennedy, fait perdre tout espoir à la jeune génération de voir un changement politique par la voie conventionnelle. Partout dans le pays, la contre-culture prend les armes et se prépare au combat contre les autorités. De violents affrontements ont lieu dans plusieurs villes. Au même moment, le mouvement pacifique pour les droits civiques se radicalise aussi. Des émeutes éclatent après l'assassinat du pasteur King et Black Power est le nouveau slogan de nombreux groupes qui s'opposent à leurs oppresseurs blancs. Tous ces mouvements alimentent l'esprit de Charles Manson.
qui change ses sermons. Sa vision spirituelle d'une société communautaire laisse la place à des prédictions d'une apocalypse à venir, un soulèvement violent dans lequel les Afro-Américains renverseraient l'ordre établi. Manson jonglait avec des idées qui étaient très répandues, que ce soit la guerre raciale, la révolution ou l'imminence de la fin d'un monde. Au moment de l'assassinat de Martin Luther King, il s'est trouvé débordé par des personnalités politiques noires plus virulentes. Des voix se sont élevées pour dire « Vous voyez où mène la non-violence ?» L'idée d'une menace qui pèserait sur la structure même de la société, liée à l'histoire raciale pour le moins complexe des États-Unis, a fait naître le sentiment que ces forces étaient en mesure de prendre le pouvoir. C'était vraiment dans l'air du temps. Manson s'empare de ses opinions assez ordinaires pour les déformer en une vision très singulière. En septembre, conscient que le pouvoir qu'il exerce sur ses partisans commence à s'étioler dans un spawn ranch surpeuplé, il repère un nouvel endroit où établir sa communauté au cœur de la vallée de la mort. Situé à 300 km au nord de Los Angeles, Barker Ranch offre un isolement total et s'intègre parfaitement à sa prédiction de révolution en devenir. Quand les Noirs se soulèveront pour renverser les autorités blanches, la communauté de Manson sera cachée dans cet endroit reculé en plein désert. Une fois la tempête passée, ils en sortiront pour régner sur un nouveau monde parfait. La situation avait changé. On n'entendait plus parler d'amour, de communauté, d'illumination. Désormais, un programme était établi. Manson ne cessait de parler de la guerre raciale. Il était persuadé qu'elle allait avoir lieu. Alors il voulait nous y préparer. Il fallait impérativement gagner de l'argent pour acheter des véhicules tout-terrain, des couteaux et des armes, et se cacher dans le désert jusqu'à la fin de cette guerre. Alors que la musique ne semble plus être au centre de la vie quotidienne de la famille, un disque va profondément bouleverser Manson. Il envoie un certain nombre de ses disciples dans la vallée de la mort aménager leur nouveau point de chute dans le désert, tandis que lui et les autres membres de la famille s'installent dans une maison sur Gresham Street, dans la partie nord de Los Angeles. C'est là qu'il entend pour la première fois le nouvel opus des Beatles, le White Album, l'album blanc tel qu'on l'appelle communément. Dans un certain nombre de leurs chansons, il entend les Beatles s'adresser directement à lui, confirmant ainsi ses prophéties d'une violente guerre raciale. Quand je suis revenu du désert à Gresham Street, c'était la frénésie totale. Charlie avait l'impression qu'à travers l'album blanc, les Beatles lui disaient que la guerre raciale noire contre blanc, décrite par le morceau Helter Skelter, allait bientôt arriver. Il l'écoutait même à l'envers. Il était obnubilé par le disque. Il m'a forcé à rester l'écouter et j'ai fait pipi dans mon pantalon sur le tapis parce qu'il ne voulait pas me laisser aller aux toilettes. Tu restes là, je veux que tu écoutes ça. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Piggies est l'un des premiers morceaux dont il a parlé. Il a été composé par George Harrison. George a dit plus tard que sa mère lui avait inspiré certaines paroles, alors que Charlie pensait que les Beatles proclamaient que certaines personnes devaient être punies. Ce qu'il leur faut, c'est une bonne grosse fessée. Il s'agit d'une petite pique de George Harrison à l'encontre des bourgeois, c'est tout. Mais bien évidemment, Manson y a vu un appel aux armes. Piggies est une chanson assez violente et le mot « cochon » allait jouer un rôle important dans l'infamie perpétrée par la famille Manson. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Charlie a fait croire à ses disciples que la chanson Blackbird avait un sens particulier. Même si, selon Charlie, les Noirs étaient des êtres très inférieurs, ils avaient été réduits à l'esclavage et maltraités depuis fort longtemps. Et les Beatles disaient maintenant qu'ils allaient s'élever. Tu n'attendais que ton heure pour t'élever.
Et puis, il y a le titre phare, Helter Skelter. En Grande-Bretagne, on a tout de suite compris que Paul McCartney parlait d'un toboggan en spirale. Mais en Amérique, personne ne savait ce que c'était. Et Charlie en a profité. Quand vous arrivez en bas, vous retournez en haut. Ce sont les Noirs. Ils sont en bas de l'échelle et vont grimper au sommet. Helter Skelter est le nom que les Beatles ont donné à la guerre raciale imminente. Charlie en était convaincu parce que ça venait des Beatles. Ça correspondait à ses prédictions. La guerre entre les Noirs et les Blancs allait se produire. La vie au sein de la famille change du tout au tout au cours des premiers mois de 1969. Pour leur exode dans le désert, ils ont besoin de véhicules, d'essence et d'armes. Et Manson reprend ses activités criminelles pour financer ses nouveaux projets. Mais son rêve musical est encore vivant. En mars, Dennis Wilson réapparaît et propose à Manson d'enregistrer une maquette. Le résultat serait présenté aux Beach Boys afin de voir s'ils veulent le signer sur leur nouveau label Brother Records. L'enregistrement aurait lieu dans le studio de Brian Wilson avec l'ingénieur du son du groupe Steven Desper aux commandes. C'est une occasion inespérée. Quelqu'un a frappé à la porte du studio et a dit « Ton jeune talent est arrivé ». Je les ai accueillis à l'entrée. Charles était accompagné de 5 filles. Il a sorti sa guitare et il était doué. J'ai bien vu pourquoi Dennis voulait lui faire enregistrer une maquette et le considérait comme un artiste qu'il pouvait signer et produire. C'est la partie production qui m'a dérangé. Une fois qu'il s'est retrouvé face au micro, il n'était plus comme les autres. Tout cela lui était étranger et ça l'agaçait. Je n'étais pas à l'aise avec lui. Charlie avait sa propre façon de faire les choses. Il savait toujours mieux que les autres. Devenir une rock star célèbre n'était pas sa priorité. Si ça avait été le cas, il aurait été dans tous ses états d'aller enregistrer dans le studio des Beach Boys. Du genre, qu'est-ce que je vais mettre? Comment tu trouves mes cheveux? Vous voyez ce que je veux dire? Après la première chanson, il est venu en régie et on a écouté ce qu'on venait d'enregistrer. Il a alors sorti un couteau à grand arrêt avec une lame de 15 cm et a commencé à scurer les ongles. Je lui ai dit, Charlie, tu vas devoir sortir le couteau du studio. On était au domicile de Brian et sa famille vivait là, avec ses petites filles à l'étage. Je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce type. Bref, il a appelé une des filles pour qu'elle range le couteau dans la voiture. Ensuite, j'ai dû les faire tous revenir dans le studio et m'assurer qu'ils ne se baladaient pas dans la maison. En tout cas, il était content de sa performance. Je crois qu'il est resté 3 ou 4 heures, jusque tard dans la soirée. Manson est satisfait de son enregistrement, mais il ne réussit pas à emballer Steven Desper, qui doit rendre compte de la session au groupe et à son manager. J'ai apporté les bandes au bureau. Ils m'ont demandé comment ça s'était passé. Et je leur ai répondu, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et je ne pense pas qu'on puisse travailler avec lui. Mais ses chansons sont plutôt bonnes. J'aime bien les paroles. Vous devriez écouter. Le label Brother Records n'est pas intéressé. La nouvelle n'est jamais transmise directement à Charles Manson, mais leur silence lui fait comprendre qu'il ne fera pas partie de leur écurie. Il se tourne alors vers Terry Melcher, le producteur qu'il fréquente depuis un an et qui vient encore de temps à autre à Spawn Ranch. Quand Dennis Wilson ne peut pas lui obtenir un contrat, Charlie se rend compte qu'il a mal calculé son coût. Les artistes ne sont pas au sommet de la hiérarchie sociale. Alors maintenant, il a une autre cible en tête. Cette cible, c'est Terry Melcher. N'oubliez pas que ça fait plus d'un an que Manson tente de convaincre Melcher de l'écouter.
et il se fait constamment repousser. Enfin, Melcher lui dit « Je viendrai t'écouter à Spawn Ranch ». Il fixe une heure et une date. On s'est tous mis à espérer. En faisant ce disque, on gagnerait de l'argent. Cet argent aurait servi à acheter de l'essence, des véhicules, de la nourriture et du matériel pour notre refuge dans le désert. Terry Melcher est un homme occupé et il a beaucoup de choses à gérer, comme les propriétés de sa mère, par exemple. Il ne se rend pas au rendez-vous. Pour lui, c'est une broutille. Il n'aura qu'à passer un coup de fil à Manson pour s'excuser de lui avoir fait faux bond. Pour Manson, c'est non seulement une trahison personnelle, mais cela met également en péril son emprise sur ses disciples. Il est furieux. Il part à la recherche de Terry Melcher. Il commence par se rendre à son adresse sur Cielo Drive. Mais Melcher a déménagé. Lui et Candice Bergen se sont installés au bord de la mer dans une propriété appartenant à Doris Day. À Cielo Drive, il y a désormais de nouveaux locataires. Roman Polanski et Sharon Tate constituent l'un des couples les plus glamour de Los Angeles. Ils sont les représentants d'un nouvel Hollywood en phase avec la contre-culture. Les films que Polanski a réalisés en Europe au début de la décennie l'ont fait connaître dans le monde entier. Et c'est lors du tournage du dernier d'entre eux, Le Bal des Vampires, qu'il donne le premier rôle à Sharon Tate et qu'il en tombe amoureux. Proches amis de Terry Melcher et Candice Bergen, le couple a emménagé dans la maison sur Cielo Drive en mars 69. Et c'est à la fin de ce même mois que Charles Manson débarque dans leur allée, fulminant à la recherche de Melcher. Le photographe personnel de Sharon Tate se trouve sur les lieux. Il voit un petit mec cradingue arriver, qui a l'air furieux. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je cherche Terry Melcher. » »« Eh bien, ici, c'est la résidence Polanski. Vous n'êtes pas au bon endroit. Le propriétaire habite un peu plus loin. » Manson dit « Je vais aller le voir. » Non, ne vous approchez ni de la pelouse ni de la maison principale. Manson s'y précipite quand même. Le propriétaire lui dit « Melcher a déménagé et ne remettez pas les pieds ici sans prévenir. » Manson décampe et à cet instant, une très belle femme sort de la maison principale. Il la regarde une minute puis s'en va. Charles Manson et Sharon Tate se sont croisés du regard l'espace d'un instant. Lorsqu'il parvient enfin à retrouver Terry Melcher, Manson lui fixe un nouveau rendez-vous. Et le 6 juin 1969, le producteur se rend à Spawn Ranch voir l'ancien détenu de 34 ans donner une prestation musicale travaillée. Plusieurs semaines passent avant que Manson n'obtienne une réponse de Melcher quant à son éventuelle recommandation auprès de Columbia Records. Ce n'est pas vraiment la réponse qu'il espérait. Terry a fini par lâcher le morceau. Tu sais, Charlie, elle est très bien ta musique, mais c'est pas mon truc, c'est tout. Je ne saurais pas quoi faire de toi en studio. Charlie en a eu le cœur brisé. Ça l'a anéanti. Charlie comptait vraiment là-dessus. Et je crois qu'il s'était un peu emballé. Et ils ont entretenu son espoir. Ils auraient dû être plus francs avec lui dès le départ. Mais ils trouvaient peut-être qu'il avait vraiment quelque chose. Dennis le pensait. Ça a été un véritable coup de massue pour lui. Je sais qu'il était persuadé d'avoir du talent. Terry représentait tout ce dont un artiste a besoin. Un producteur de disques avec des références et un accès à un grand studio. C'était essentiel pour Charlie à ce moment-là. Le coup a donc été rude pour lui. Les événements tragiques qui vont suivre seront alimentés par ce rejet et par le caractère désespéré des activités chaotiques de la famille. À nouveau, Manson se révèle être un incorrigible malfrat. Au moment où Charlie met ses adeptes en garde contre Helter Skelter et leur dit de retourner dans le désert, il se met à dealer de la drogue pour gagner l'argent nécessaire à leur retraite. Parmi les personnes avec qui il traite se trouve un professeur de musique, un certain Gary Inman, et aussi un grand type noir surnommé Lotsapopa. Lotsapopa prétend faire partie des Black Panthers. Inman parle de faire un grand voyage en Europe, ce qui signifie qu'il est riche.
L'affaire tourne mal. Charlie tire sur l'Otsapopa avec un pistolet Buntline spécial de calibre 22, un vieux pistolet de cow-boy qu'il a apporté, et pense l'avoir tué. Du coup, il est persuadé que les Black Panthers vont maintenant s'en prendre à la famille Manson. Charlie avait beau parler d'une apocalypse raciale en termes emphatiques, il avait une trouille bleue des Black Panthers. Ce deal calamiteux, en juillet 1969, est suivi d'un événement plus grave encore à la fin du mois. Bobby Beausoleil, l'acolyte épisodique de la famille, gère un trafic de drogue. Son fournisseur est le professeur de musique Gary Inman. Et ses clients, le gang de motards les Straight Satans, sont des visiteurs réguliers de Spawn Ranch. Quand les motards accusent Beausoleil de leur avoir fourni de la drogue de piètre qualité, il se rend chez Inman avec trois membres de la famille pour récupérer son argent. Une bagarre éclate. La situation dégénère totalement et il reste dans l'appartement de Inman. Au bout de deux jours, Beausoleil achève Inman. Lui et ses complices inscrivent des messages avec le sang du musicien sur les murs. Il ne faut que deux semaines à la police pour arrêter le meurtrier. Plusieurs membres de la famille Manson étaient impliqués dans la mort de Gary Inman, en particulier Bobby Beausoleil. Il n'était pas un membre à part entière de la famille, mais à bien des égards, il y était étroitement lié. À ce moment-là, il faisait également du trafic de drogue avec la famille. Apparemment, Manson aurait dit à Beausoleil « Tu sais ce que tu dois faire », ce qui aurait conduit à la mort de Inman. Beausoleil perd tout contrôle et il est très vite retrouvé couvert de sang. On établit le lien avec le meurtre et Beausoleil est arrêté. Manson a peur que tout ceci lui retombe dessus. Il n'a peut-être pas prononcé cette phrase exacte, mais tous les faits mènent à lui, comme le trafic de drogue organisé depuis Spawn Ranch, peut-être même avec l'aide de Manson. La police allait forcément remonter jusqu'à lui. Manson a peur d'être mêlé à l'affaire Beausoleil. Il déclare alors qu'il est temps de passer à Helter Skelter. Il envoie quatre de ses disciples dans la nuit à Los Angeles commettre un meurtre du même acabit avec à leur tête Tex Watson, alors âgé de 24 ans. Ils ont deux buts. Premièrement, de nouveaux crimes doivent amener la police à croire en l'innocence de Beausoleil et établir la preuve que le tueur est toujours en liberté. Deuxièmement, il faut que les soupçons de la police se dirigent vers les Afro-Américains, ce qui déclenchera la guerre raciale. Manson veut des cibles de premier plan. Et il envoie son groupe de chasseurs à l'ancienne résidence de Terry Melcher sur Cielo Drive. Ça n'a été qu'une question de lieu. Il fallait tuer des gens célèbres et faire porter la responsabilité aux Black Panthers pour disculper Bobby Beausoleil. L'endroit peuplé de gens riches et célèbres que Manson connaissait le mieux était Cielo Drive. Le successeur de Melcher à cette adresse était forcément quelqu'un d'important. La deuxième raison essentielle à ce choix, c'est que Tex Watson était le seul avec Charlie à avoir été dans cette demeure. Il savait donc en théorie comment s'y rendre depuis Spawn Ranch. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette maison. Les meurtres du 8 août 1969 comptent parmi les crimes les plus violents de l'époque. Sharon Tate et quatre autres victimes ont été tuées sans le moindre état d'âme. La folie meurtrière se poursuit la nuit suivante, avec les meurtres tout aussi violents d'un couple de riches bourgeois, Rosemary et Lino LaBianca. Encore une nuit sanglante. Mais ce qui est intéressant sur le plan musical, c'est que c'est lors de cette nuit qu'ils décident de barbouiller « mort au cochon » sur les murs. La veille, ils avaient inscrit le mot « cochon » en référence aux Beatles. Et l'élément clé de cette nuit-là, c'est « Helter Skelter » écrit sur la porte du frigo. J'ai le sentiment que si les meurtres de cette nature ont cessé à partir de ce moment-là, c'est qu'à leur retour à Spawn Ranch, ils ont bien dû faire le compte-rendu de leur épopée à Manson. Et en apprenant que Patricia Krenwinkel avait écrit « Helter Skelter » avec du sang sur le réfrigérateur, Manson a paniqué. Tout le monde connaissait ses théories et son obsession pour « Helter Skelter ». Il y avait même une boîte de nuit à Spawn Ranch qui portait ce nom. C'est à ce moment-là que Manson a pris peur et que le déménagement à Barker Ranch a eu lieu. Mais Manson est encore à court d'argent. Il ne se préoccupe plus de ses relations dans le monde de la musique, mais estime qu'on lui doit encore de l'argent pour l'enregistrement de Cease to Exist des Beach Boys. Dennis en a changé les paroles sans même lui demander l'autorisation. Il parcourt Los Angeles à la recherche du batteur et le retrouve finalement en compagnie de Greg Jacobson et du photographe des Beach Boys, Ed Roach.
C'était juste après le début du festival de Woodstock, c'est-à-dire une ou deux semaines après les événements à Cielo Drive. Il a surgi dans la pièce. Il avait la même tête que dans les journaux, avec ses cheveux hirsutes. Il a dit « Je reviens de la Lune ». Je l'ai reconnu. « Putain, c'est ce type, Charlie !» Charlie s'est adressé à Dennis. « Il faut que je te parle. » Et ils ont quitté la pièce. Dennis est revenu prendre sa guitare, et à son retour, il ne l'avait plus. Il a dit « J'ai dû lui donner tout mon fric et la guitare, sinon il allait kidnapper mon fils dans la matinée et le tuer. » Tout ça à cause de la chanson. L'épisode marque la fin de leur relation et la fin des liens de Manson avec la scène musicale de Los Angeles. La semaine suivante, lui et ses disciples partent en buggy en direction du désert. Tandis que les forces de police de Los Angeles s'efforcent de faire avancer les enquêtes sur les affaires Tate et LaBianca, dans la vallée de la mort, la communauté récemment installée attire très vite l'attention des forces de l'ordre locales. En octobre, après deux descentes, la police arrête la famille Manson après avoir découvert leur flottille de buggy volés. Charles Manson et certains des assassins sont placés en détention, mais sur la base d'accusations beaucoup moins graves. Susan Atkins, un membre de la famille qui a pris part aux deux agressions, se vante d'avoir commis les meurtres auprès d'une autre détenue. C'est l'indice dont les enquêteurs avaient besoin. Après avoir établi le lien entre les différents volets du dossier en interrogeant les fidèles de Manson, la police de Los Angeles et le procureur sont convaincus d'avoir trouvé les meurtriers. Ils donnent une conférence de presse le 1er décembre 1969 pour annoncer que l'affaire est résolue. Charles Manson et sa famille sont désormais tristement célèbres. Personnellement, j'étais un peu incrédule au début, parce qu'il n'avait pas l'air si méchant que ça. D'accord, il était un peu bizarre, mais de là à commettre une chose pareille. Et je ne pensais pas non plus que les filles qui étaient venues dans le studio étaient capables de poignarder des gens. Quand j'ai lu la nouvelle, ça m'a chamboulé. Hein, quoi, comment? J'étais en état de choc. Je n'y croyais pas au début. J'avais du mal à croire à quel point les filles avaient changé. Elles sont allées dans ces maisons et ont massacré des gens. On était loin de « Abandonne-toi à l'amour » de la chanson. Elles ont sauvagement assassiné des gens. J'étais chez moi et quelqu'un m'a appelé. T'as entendu ce qui s'est passé? Quand on m'a annoncé la nouvelle, je n'ai pas été surpris, pas le moins du monde. Ça me paraissait logique que ce soit allé aussi loin. La situation était devenue incontrôlable. Le monde de la musique est pris de panique. Manson et les meurtriers sont désormais derrière les barreaux, mais beaucoup de membres de la famille sont encore libres. Persuadé qu'il était la véritable cible de l'attaque menée à Cielo Drive, Terry Melcher en particulier est dévoré par l'angoisse. Tous ceux qui ont eu des contacts avec Manson d'une manière ou d'une autre façon cherchent à protéger leur réputation et à prendre leur distance avec cette affaire. Terry s'est acheté un fusil à pompe de calibre 12 avec un canon coursier. Un 6 coups. Il le gardait près de la porte d'entrée. Il était très inquiet. Dennis, un peu moins. Il prenait ça un peu plus à la légère. Mais Terry, lui, était très préoccupé. Il ne savait pas de quoi ces gens étaient capables et il ne voulait prendre aucun risque. J'ai reçu un appel du management des Beach Boys. Ils m'ont dit qu'ils allaient prendre les bandes pour les mettre en lieu sûr. Il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de copie. Dennis est parti pour un endroit tenu secret. Personne ne savait où il était. Mais on sentait bien que Dennis était menacé. Ça ne le rassurait pas de savoir Charlie en prison, alors qu'a priori, Dennis n'était plus en danger. Sa personnalité a changé, il n'était plus du tout le même. Il est devenu paranoïaque. Ça l'effrayait de penser à quel point il avait été proche de toute cette histoire. Vincent Bugliosi, le procureur chargé de l'affaire, cherche à avoir des témoins pour le procès. Il constate que les relations de Manson dans le monde du showbiz n'ont pas l'intention de ternir leur réputation en venant témoigner à la barre. Dennis ne voulait pas coopérer avec Bugliosi, et Terry non plus. Aujourd'hui encore, je suis persuadé que Terry a passé un accord avec le procureur, mais j'en ignore les termes. Bugliosi voulait citer à comparaître Dennis, un Beach Boy, ou Candice Bergen, la petite amie de Terry. Mais pour Terry, c'était tout bonnement inconcevable.
Il a tout fait pour rester en dehors de tout ça, et Dennis également. Moi, j'étais là, alors j'ai coopéré. Je n'ai pas menti, je n'ai rien vu de répréhensible, une arme ou ce genre de truc. Je n'ai fait que dire la vérité. Pendant ce temps, Manson tente de garder l'emprise qu'il a sur ses disciples depuis la prison. Pour y parvenir, il lui faut gagner de l'argent. Il est à présent à la une des journaux du monde entier. Manson considère que c'est donc le moment idéal pour sortir un disque. Son rêve de devenir une rockstar ne veut pas mourir. Manson trouvait que les bandes enregistrées chez Brian Wilson étaient excellentes. Elles pouvaient représenter l'unique occasion pour lui de s'exprimer musicalement. L'idée lui plaisait. De plus, il avait des frais de justice à payer non seulement pour lui-même, mais aussi pour les femmes inculpées. Il devait à tout prix garantir leur loyauté. Leurs avocats respectifs voulaient qu'on traite leur dossier séparément de celui de Manson pour prouver qu'elles avaient été manipulées par cet homme. Charlie devait s'assurer de contenter tout le monde. Quelle meilleure façon de se faire de l'argent qu'en sortant le grand album qui ferait de lui une rockstar tout en couvrant ses frais de justice. Manson engage Lynette Fromm, surnommée Squeaky dans la famille, pour mener à bien le projet. Elle découvre que les enregistrements du studio de Brian Wilson sont sous clé. Alors, elle persuade Greg Jacobson de lui donner les bandes d'une session qu'il avait organisée au Sound City Studio au milieu de 1968. Elle appelle ensuite Phil Kaufman pour l'aider à sortir le disque. Et Kaufman, qui croit alors à l'innocence de Manson, accepte de lui rendre ce service. Lynette, Squeaky, m'a contacté. Il faut qu'on fasse entendre la musique de Charlie. D'après Charlie, en écoutant son album, les gens comprendraient que ce qu'il faisait était bien. Donc, elle a récupéré les bandes et je les ai apportées au studio. On les a un peu nettoyées, on a fait le mixage. Après, j'ai demandé à des gens de se cotiser et on a pu en tirer 300 exemplaires. Et pour finir, on a pris la couverture du magazine Life en supprimant le F de Life. Et c'est devenu Lie, le mensonge. Car c'est bien un mensonge. Il est innocent. Quand on entend sa musique, comment on peut la... Originaux. On le voit à son étiquette jaune. Tout le reste, ce sont des copies pirates. Il m'a demandé de sortir l'album et je l'ai fait. Aujourd'hui encore, je regrette profondément d'avoir été mêlé à Manson. Mais on ne peut pas divorcer de son passé. À sa sortie, le disque ne rencontre pas le succès que Manson escomptait. Même son côté sulfureux ne fait pas vendre. La carrière de musicien de Manson semblait sans grand intérêt aux yeux des personnes qui lisaient les gros titres à l'époque. On le voyait plus comme le gourou d'une secte que comme un musicien. Il était difficile d'écouter sa musique en faisant abstraction de l'horrible carnage qui avait eu lieu. Au mieux, le disque a été considéré comme une curiosité. Mais pour la plupart des gens, c'était de très mauvais goût. Aucune maison de disques n'allait le publier et aucune radio ne le passerait. Ce n'est qu'un autre exemple de la naïveté désespérée dont a fait preuve Manson, qui pensait que tout le monde aurait envie d'acheter son album. Le procès Manson devient un gigantesque cirque médiatique. Et la contre-culture elle-même doit se débattre avec ce gourou et ses références hippies. Ronald Reagan, alors gouverneur de la Californie, est le premier à lancer une croisade contre les idéaux de ce mouvement, suivi par le président du moment, Richard Nixon. Les valeurs conservatrices américaines se révèlent plus solides que ne le pensait la contre-culture. Si certains tentent de politiser les meurtres Tate et LaBianca en faisant de Manson de manière peu judicieuse un leader révolutionnaire, la majorité reconnaît simplement que ces actes dramatiques et choquants ternissent à jamais un mouvement qui prenait l'amour et la paix. Je ne crois pas que Charles Manson avait le dessein de détruire le rêve hippie. Mais bon sang, on peut dire qu'il y est parvenu. On a dit que dès l'instant où, en décembre 1969, Manson a fait la une des journaux, toute personne qui avait l'air hippie
était diabolisé. Si vous étiez quelqu'un de droite qui honnissait tout ce que la contre-culture représentait, vous ne pouviez pas trouver mieux que Charles Manson et ses meurtres abominables. Tous les éléments l'accablaient. Le sexe, la drogue, la violence, et même les Beatles. La droite n'avait plus qu'à s'en servir. La tolérance, l'ouverture d'esprit, la confiance en l'autre et l'absence de crainte, ce sont vraiment les grandes forces de l'esprit humain. Mais bien sûr, on peut se fourvoyer, et c'est là l'un des vrais chocs avec Manson. Un peu comme les Hells Angels à Altamont. On a parfois sympathisé avec les mauvaises personnes. Pour beaucoup de ceux qui se sont liés d'amitié avec Charles Manson, il restera présent à jamais dans leur vie. Bien qu'il soit devenu l'incarnation du mal dans la culture populaire, un fou furieux au cerveau dérangé, il reste un personnage authentique et complexe pour ceux qui se sont plongés dans son univers musical. Et de l'avoir côtoyé les marquera à vie. Dennis Wilson croyait réellement en cet homme qu'il appelait le sorcier, et il est parti à la dérive après la nouvelle choquante des meurtres. Jadis force vive des Beach Boys, Dennis a été hanté par cette terrible amitié qu'il n'a jamais pu oublier. Petit à petit, il s'est perdu dans l'alcool et la drogue. Il est mort en 1983 à l'âge de 39 ans seulement. Depuis le jour de l'arrestation de Manson, il a toujours refusé de s'exprimer publiquement sur l'affaire. Dennis n'en a jamais parlé, et je ne trouvais pas que c'était à moi d'aborder le sujet. Il n'en a pas dit un mot. Je suis sûr que dans une certaine mesure, il se sentait responsable. Il avait été très impliqué dans cette histoire. Dennis n'a jamais évoqué les meurtres à proprement parler. Il se remémorait parfois ses expériences avec la famille. Mais jamais, je ne sais pas à quel point... Enfin, il a toujours évité de parler des massacres. Dennis ne s'est jamais vraiment remis du choc émotionnel qu'il a subi. Il était déjà le mouton noir du groupe avant. Et au moment où il commençait à évoluer et à devenir un artiste qu'on pouvait prendre au sérieux, il lui arrive ce drame. Ça a fait de lui un éternel loser. C'est en tout cas l'image qu'il avait de lui-même. Son entourage a tenté désespérément de le convaincre qu'il valait mieux que ça. Mais l'événement l'a hanté jusqu'à la fin. Je crois qu'il ne s'en est jamais remis.